Ce dimanche 24 janvier, Laetitia Hallyday a retrouvé son frère Grégory Boudou à Los Angeles, où elle se trouve depuis une dizaine de jours. Les deux se sont promenés sous un beau soleil, à propos de après quelques semaines en compagnie de son chéri Jalil Lesper, Laetitia Hallyday s'est envolée pour Los Angeles le mercredi 13 janvier dernier avec sa fille uniquement. En effet, l'acteur de 44 ans, ex de Sonia Roland, n'a pas pu obtenir l'autorisation des autorités dans ce contexte de pandémie de COVID-19. Si la veuve de Johnny Hallyday ne cache pas sur les réseaux sociaux que ses amis lui manquent maintenant qu'elle est à Los Angeles, elle a toutefois pu retrouver un membre de sa famille, son frère Grégory Boudou. Frères et sœurs se sont retrouvés dans les rues de Los Angeles le temps d'une promenade le 24 janvier dernier où ils ont même donné de l'argent à un SDF. Les photographes ont immortalisé cette scène très rare, et pour cause Grégory Boudou n'apparaît que très rarement aux côtés de Laetitia Hallyday. La cause? Après le décès du rocker, il avait été désigné exécuteur testamentaire de Johnny, ce qui n'avait pas vraiment plu à plusieurs de ses proches comme Nathalie Baye. Sous la pression, Grégory Boudou avait renoncé à ce rôle. Autre fait qui expliquait son extrême discrétion, en avril 2018, il avait été placé en garde à vue pour soupçon de fraude fiscale dans le cadre d'une enquête sur les comptes de l'ONASIA, la boîte familiale du Cap d'Agde, Crédit Photo, droit d'auteur X17 KCS Press Let's Block ADS. Why?